le savez bien sûr si vous nous suivez que notre passion consiste à montrer la vôtre, vous présenter, vous révéler, révéler l'organisation dans laquelle vous brillez ou tout simplement participer. Cette vidéo met en lumière le vainqueur de la célèbre course cycliste du Follep dans l'Oise, les routes de l'Oise. Il a débuté le vélo vers l'âge de 23 ans environ. Il faisait du vélo tranquillement de temps en temps le week-end. Il a rencontré des cyclistes avec lesquels il a roulé. Puis, les fois suivantes, ils ont vu en lui du potentiel. Il a intégré ce club, le Team Flixecours dans la Somme en Picardie Nord-Pas-de-Calais. Son hygiène de vie rigoureuse avec une préparation optimale, et voici ce passionné d'automobile devenu également un passionné de cyclisme. Une opportunité professionnelle le conduit aux États-Unis et là où il vit depuis 3 ans. Il revient donc régulièrement dans sa Picardie natale pour faire le plein de sa culture, comme il dit, et voir sa famille, ses amis. Indispensable retour aux sources. 3 fois deuxième de cette épreuve. En mai 2016, avec l'une des plus grosses équipes de l'épreuve, il remporte une course très convoitée par des acteurs de toute la région, je dirais même de toute la partie nord de la France, dans une très bonne organisation aux côtés de ses coéquipiers, en la personne de Fiquet, Dupont, Luga, Henri, Pérez, Fouillet, Ferré. Il sort donc de cette position poulidorienne pour embrasser le sommet d'une épreuve UFOLEP majeure comme les routes de l'Oise. Evan Sevenard est le principal acteur de son succès, il est vrai, mais peut-être pas le plus heureux. Le paroxysme du bonheur se trouve peut-être du côté de Françoise, sa maman, en le voyant arriver les bras levés sur la ligne pour sa victoire d'étape. Elle a été submergée par un immense sentiment favorable et celle-ci ne peut freiner les larmes qui prennent place et circulent sur ses joues. Donc, avant toute chose, c'est pour les organisateurs que je reviens. Et puis forcément l'équipe, c'est l'équipe de copains, hein. ça fait 10 ans que je les connais, ils m'ont mis au vélo. J'ai un parcours 100% UFOLEP, que la passion, que le goût de l'effort, et grâce à eux je suis revenu, et quand j'ai arrêté le vélo 3 ans, je leur ai envoyé un texte en disant: est-ce que si je reviens en France et à la route de l'Oise, vous me prenez dans l'équipe? Il n'y a eu aucune hésitation, et c'est ça qui prouve que voilà, c'est mes potes, et je voulais les remercier aussi. Alors ce qu'il y a, c'est que tu fais rigoler tous tes copains. T'as pensé à tout le monde, à ton équipe. T'as pensé aux organisateurs. En premier, ça c'est important. Et puis tu sais que ta mère, elle n'arrête pas de pleurer. Hein? Elle est là. J'ai tellement dit que vous alliez pleurer. Eh bien, c'est ta fille en bas. Non? Sa cousine. Ah, bien, mais ça fait rien. Tu viens sur le podium avec ton tonton. Hein? Voilà, c'est l'heure de gloire pour Evan Sevenard, que vous pouvez saluer, photographier. T'as l'horaire de l'étape, mais je crois qu'il y a mieux pour toi pour le classement général tout à l'heure. Alors tout à l'heure, avec ton équipe, venez pour la photo s'il vous plaît. La maman est fière de son fils. Alors, hein. Oh là là, écoutez, quelle émotion, c'est fou. Pleurer, c'est génial. Génial. Je crois que je ne pouvais pas mieux espérer qu'aujourd'hui. Voilà la petite. Hein. J'aurais été déçu de ne pas être venu, hein, parce que franchement, il le mérite. C'est ton cousin, je ne saurais jamais si c'est le tonton. Hier, un petit peu stressé parce que bon, même si je savais qu'il avait une belle place, Evans n'était pas content. Donc je suis partie un petit peu contrariée à la maison. Et puis ce matin, quand je suis venue, bon, j'ai rien dit. Hein, je vais le laisser. Je lui dis bonjour, je vais attendre, ne pas donner l'impression quoi que ce soit, c'est pas mon style. Et quand je l'ai vu à l'arrivée, mais vraiment au sprint, là, je me suis écroulée. Tellement c'était super beau. Quoi. Oui, en effet, votre fils qui arrive, les bras levés avec un sourire qu'avait la banane. Un petit peu avant, c'était formidable. Donc moi, j'ai craqué. Bah, de toute façon, on peut pas faire autrement. Quoi. J'aurais fait pleurer tout le monde tellement que c'était sincère, naturel, en fait, tout ce qu'on veut. Quoi. Une super victoire qu'il nous a offert.
puis venir de si loin avec une telle énergie. C'est incroyable, incroyable. La fois dernière, il y a deux mois, il est revenu ici en France, il a fait deux courses de vélo, il les a gagnées. Avec le décalage horaire, et puis bon, bah, les heures de vol quand même, quoi. Donc c'est vraiment un passionné et il le mérite. Il a un bon potentiel, en plus il m'a raconté de son hygiène de vie, il ne boit pas et au niveau de sa nourriture il fait attention. Très attention, il le mérite. Tout ce gain de course aujourd'hui, franchement c'est vraiment très mérité. Et je lui dis encore bravo et je suis fier de lui. Très, très fier de lui. Hein, je crois qu'une maman elle peut pas plus, quoi. Franchement c'est très très beau. Merci François. Merci encore à lui de la victoire. Alors Evans, tu participes pour la quatrième fois, quelque chose comme ça, non? Ça doit être ma sixième participation. Mais trois fois sur le podium? Trois fois deuxième, trois années sur le podium, ouais. Et maintenant, aujourd'hui, avec cette victoire et les bonifications, tu montes sur la plus haute marche du podium. Exactement, après un dur week-end, hein, ça a été très dur ce week-end. Dès samedi, les étapes étaient très difficiles, le contrôle à monte, hier très nerveux. Et à la fin de cette dernière étape, lundi, où beaucoup, beaucoup de choses se jouent à chaque fois, j'ai réussi à l'emporter. Tes coéquipiers m'ont parlé de toi, un en particulier, de la possibilité que tu gagnes les Routes de l'Oise 2016. Alors raconte-nous un petit peu comment tu as débuté dans le vélo pour mieux te connaître et comment tu vis ça. J'ai débuté il y a une dizaine d'années, je pense, quand j'avais un petit peu de surpoids, comme tout le monde, vouloir faire du sport. Et puis, on trouve des groupes de cyclistes et on se rend compte qu'on roule pas si mal. Et puis voilà, j'ai rencontré une bande de potes géniaux, en l'occurrence le team Plique Secours. Ils m'ont mis au vélo, ils m'ont intégré dans le club sans aucune expérience. Et puis très rapidement, j'ai pris du plaisir. Et puis très rapidement, on a fait des belles choses ensemble. On a gagné les Routes de l'Oise avec Jean-Luc Pérez il y a quelques années, Stéphane Pouy il y a deux ans. Moi cette année, et puis plein d'autres courses et championnats de France de contre-la-montre, individuels par équipe. Hein. Voilà, toujours entre potes, une bonne équipe. Et puis on veut surtout faire des belles organisations comme celle-ci aujourd'hui. Ça fait plaisir de se retrouver dans ces conditions. Tu me disais que tu as fait pas mal de kilomètres, c'était pas pour être hors du podium. En effet, tu es sur la plus haute marche. Exactement, je vis à 12 000 km précisément à Los Angeles. Donc j'ai la grande chance de pouvoir rouler l'hiver avec un hiver très clément. Donc j'ai pu faire beaucoup de kilomètres en entraînement pour venir ici. Pas de compétition, mais beaucoup de kilomètres. Donc je suis venu préparer. Et puis donc effectivement quand on fait cette distance, l'investissement en termes de temps et de moyens aussi, parce que voilà, ça a un coût tout ça, fait qu'on a des ambitions et l'ambition était forcément de gagner. Exactement, c'est une course à étapes, donc les quatre étapes sont hyper importantes. Samedi, belle étape, je fais trois il me semble. Olivier de Saint-Fucien très fort dans le sprint, je peux rien faire et je suis un peu à crampe sur la fin, donc pas de regret. Le contre-la-montre, je fais troisième. Mes habitudes étaient plutôt de gagner au contre-la-montre des Routes de l'Oise, mais le parcours a changé, donc peut-être un peu moins en ma faveur. Et puis hier après-midi, l'étape de Formerie, la troisième étape, clairement j'étais dans le dur. J'ai joué profil bas, je suis resté dans les roues, j'ai été patient. Et puis aujourd'hui par contre, j'avais bien récupéré, j'ai bien dormi. Et l'objectif était de rechercher les deux secondes, au moins à bonification que j'avais de retard sur Thomas Leclerc, qui a fait une super course tout le week-end. Mais voilà, j'ai eu la chance par rapport aux circonstances de course de pouvoir faire les bonifications deux fois. Donc avant l'arrivée, je savais que j'avais repris le leadership et le maillon. Comment tu t'entraînes et la topographie du terrain aux États-Unis ? Je m'entraîne environ 4 à 5 fois par semaine minimum, parfois même un peu plus. Si on aime bien parler chiffres et j'ai rien à cacher, j'ai déjà à peu près 6000 km depuis le 1er janvier, donc c'est pas mal. Et la topographie, elle est géniale parce que la moindre sortie de 90 km, 100 km va t'amener à un dénivelé de 1500 mètres.
Donc très rapidement, tu peux faire de l'intensité, t'entraîner dans des bosses. Vraiment, c'est magique. Et puis la météo est incroyable. Là où je vis, c'est 25 degrés toute l'année. Donc j'ai une grande chance par rapport à ça. Précisément à Los Angeles, il y a des routes extraordinaires entre les montagnes et la mer. Enfin, c'est idyllique, hein, clairement. Il y a une communauté cycliste énorme à Los Angeles parce que c'est l'endroit des États-Unis où il est le plus agréable de rouler, je pense. Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine ? Je sais pas, honnêtement je sais pas, je m'étais fixé ça comme objectif un peu sur un coup de tête l'année dernière. J'ai d'autres objectifs maintenant, je vais me lancer dans l'ultra distance, 24 heures du Mans solo, ce genre de challenge. J'ai la compétition comme ce week-end, c'est fantastique, mais c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de risques, beaucoup d'investissements à beaucoup de niveaux et beaucoup de sacrifices. L'ultra distance c'est des gros objectifs, mais j'ai l'impression que je commence à vieillir, à mon âge, c'est ce dont j'ai besoin. Merci beaucoup. Pas de problème, merci. Et tous les lauréats de l'édition 2016.